nationale, décrire établi en fait comme endroit la prévention des meurtres à charge du zombie du prévenu Zongwe qui s'accagne, de les condamner de ses chefs à la servitude pénale, nous nous réservons pour les faits, monsieur le président, l'instance sera. Bonjour chers téléauditrices, auditeurs de la télévision Léon Dioléo et bienvenue à notre émission Allo Tanganyika qui parle des audiences foraines qui se tiennent du 6 au 17 novembre 2020 à Moba. Avant de continuer, je salue aussi le directeur de la télévision, M. Boulamba Odon et à M. Iboala Ikwene Chambouli. Moi c'est Isidore Kachulo qui vous présente cette émission depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Les audiences foraines se poursuivent normalement dans le territoire de Moba depuis le 6 novembre 2020. Ces audiences foraines sont organisées par le tribunal de grande instance de Kalemi en partenariat avec AIDES financé par UNHCR. Yves Makoko, chef de programme à AIDES, a indiqué que l'objectif de ces audiences foraines est de rapprocher la justice des justiciables, réparer les préjudices causés aux survivantes des violences sexuelles et celles basées sur le genre, permettre aux prévenus de connaître leur sort, sensibiliser la population sur les dispositions légales et les sanctions, conséquences de violences sexuelles et celles basées sur leur genre. Yves Makoku l'a dit aux médias. Nous avons organisé des audiences foraines pour rapprocher la justice des justiciables et par rapport à ce qui est écrit derrière moi, si vous voyez dans le logo, le tribunal des grandes instances est venu ici, c'est pour réparer les préjudices causés surtout aux survivantes des violences sexuelles et celles basées sur le genre et aussi permettre aux prévenus de connaître leur sort et de sensibiliser la population pour connaître les dispositions légales relatives aux violences sexuelles et basées sur les genres. Que la population comprenne qu'il y a des dispositions légales qui sont prises par l'État et qui sanctionnent sévèrement les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Et que toutes les infractions commises à l'égard de cette disposition-là, à l'égard des femmes ou à l'égard des hommes qui ternissent l'image de notre territoire de Moba, sont punissables par la loi. C'est pour cette raison que nous sommes venus organiser les audiences foraines en public pour sensibiliser massivement la communauté, qu'ils comprennent que les violences sexuelles ont des dispositifs légaux et ont des sanctions. À toute personne qui commettrait ce genre d'incident, il y a des sanctions qui sont fixées par la loi et des conséquences qui vont être perpétrées sur lui et sur tous les autres. Et que la population comprenne qu'à date d'aujourd'hui, ces infractions sont punissables par la loi et qu'ils doivent réduire à la mesure du possible ce genre des violences basées sur les genres et d'autres infractions des droits humains. Oui, initialement prévu, il y avait 62 cas. Nous sommes arrivés ici sur place, on a connu d'autres sessions directes qui a fait que les cas arrivent à 70. Malgré tout cela, les jours que nous avons dépassé ici, la sensibilisation qui passe en termes d'audience publique permet à la communauté de connaître ça et de dénoncer les cas. Et les cas sont montés de 70 à 80. Donc jusque-là, nous sommes à 80 dossiers qui doivent être fixés ici. Oui, parmi ces cas, il y a plusieurs cas de violences sexuelles et basées sur les genres. Il y a notamment les cas de viol, les cas d'harcèlement, les cas de proxénétisme. C'est-à-dire les gens qui ne comprennent pas ce que c'est un proxénéteur. C'est une maman ou un papa qui met des jeunes filles là-bas et les jeunes filles se prostituent et qui lui récupèrent l'argent sous leur dos. Donc il y a des gens qui viennent donner de l'argent, qui couchent avec ces femmes-là. Et lui récupère l'argent. Ce sont des cas que nous avons enregistrés. Hormis cela, il y a d'autres personnes des droits humains, dont le meurtre, l'assassinat prémédité, il y a des coups et blessures volontaires aussi. Et il y a des gens qui ont poignardé d'autres personnes, des blessures graves. Donc ce sont ces genres d'infractions que nous sommes en train d'enregistrer, dont la compétence revient au tribunal des grandes instances du Calais. D'abord, on parle des victimes. Les moins âgés des victimes à 3 ans. Les victimes les moins âgées à 3 ans et les plus âgées à 27 ans. Donc c'est dans cet intervalle-là que nous avons trouvé beaucoup de victimes ici, surtout en rapport avec les violences sexuelles. Par rapport aux prévenus, les prévenus les moins âgés, selon ces déclarations, qui était d'abord majeur mais qui s'est rétrogradé à être mineur à 16 ans. Donc parmi les bourreaux, les moins âgés à 16 ans et les plus âgés à 66 ans. Oui, le message d'abord, c'est d'abord de marteler notre partenariat avec les UNHCR.
parce que c'est les HCR qui est notre bailleur, qui fait en sorte que les histoires soient réparées et que les préjudices causés puissent être réparés. C'est pour cette raison que notre partenariat a fait que l'on puisse faire déplacer la justice de Calémine jusqu'à Moba. C'est pour permettre à ce que les histoires se passent bien. La vision de AIDES, c'est de sensibiliser un grand nombre de populations ici à Moba et que la population comprenne les dispositions qui sont légales et comprenne aussi les sanctions prévues par la loi pour que prochainement ces incidents puissent baisser sensiblement. Donc c'est ça la vision de AIDES. C'est dans le cadre aussi de promouvoir et de vulgariser la loi portant protection de l'enfant et la loi relative aux violences sexuelles et basées sur les gens. Ces audiences foraines sont accompagnées par AVDH pour accompagner les victimes de violences sexuelles. Selon le président du conseil de l'administration de AVDH, Maître Komaka, l'objectif n'est pas de faire condamner les gens, mais faire que la justice soit une justice distributive, que celui qui est innocent soit acquitté et que celui qui est coupable soit condamné. D'abord, ici à Moba, il n'y a que le tribunal de paix qui n'est pas content de connaître des infractions qui semblent des peines qui dépassent 5 ans. Alors qu'ici, à Moba, il y a des détenus. Des crimes ou des infractions qui sont supérieurs à la compétence matérielle du tribunal de paix de Moba ici. Voilà pourquoi, dans le cadre de ce partenariat, il a été décidé de déplacer le tribunal de grande instance de Calémie à Moba pour les audiences foraines, avec l'objectif de rapprocher tous ces justiciables prévenus. Et aussi des victimes de la justice. C'est ça d'abord l'objectif principal. Oui, présentement là, il y a des cas de viol qui sont en train d'être appelés par les tribunaux. Mais les audiences foraines ne concernent pas uniquement les cas de viol, mais aussi ça statue sur l'ensemble des infractions qui sont commises et qui sont de la compétence des tribunaux de grande instance. Des cas de viol, entre autres, les vols qualifiés, l'assassinat, les meurtres et j'en passe. AVDH a à son sein une clinique juridique qui accompagne principalement les victimes de violences sexuelles. Et si nous sommes ici, c'est principalement pour accompagner toutes ces victimes-là des violences sexuelles. Bon, l'objectif de ces audiences foraines n'est pas de faire condamner les gens. L'objectif est que la justice soit une justice distributive, que celui qui est innocent soit acquitté et que celui qui est coupable soit condamné. Mais seulement l'intérêt est que vous voyez l'état même de santé des prévenus. Tous se présentent devant les juges un peu épuisés. Cela témoigne qu'ils ont passé beaucoup de jours en prison sans comparaître, sans passer devant les juges naturels. Et voilà, c'est l'occasion pour eux de présenter leurs moyens de défense et le cas échéant d'être acquitté si les juges trouvent qu'ils sont innocents. Mais notre objectif, c'est d'accompagner toutes ces victimes-là, là où la prévention des viols est établie, qu'il n'est pas les soit condamné. Notre message, c'est vraiment un message d'encouragement, un message d'encourager les gens à venir participer massivement parce que ces audiences ici ont un caractère pédagogique. Parce que si vous restez à la maison sans venir écouter ce qui se passe ici, c'est comme quelqu'un qui resterait dans l'obscurité. Alors que lorsque vous arrivez ici, vous allez voir un peu comment est-ce que ces violences sexuelles qui sont statuées ici sont des actes qu'il faut éviter dans la vie quotidienne. Ces audiences foraines se déroulent à la place publique de la tribune du Grand Marché de Kirungu et de l'écran géant à Mobapo. Au cours de la deuxième journée de ces audiences publiques, un prévenu a tenté d'évader à la place où se déroulent les audiences à Kirungu. Il a été attrapé par la police quelques minutes après avoir évadé, comme témoigne la police. Monsieur Kuelo Akuelo a évadé quand nous étions là-bas. Il a quitté aller jusque-là et nous l'avons chassé. Et aller l'attraper là-bas, c'est là où nous l'avons attrapé jusqu'à le ramener ici. À cet acte de tentation à l'évasion de ses prévenus, le parquet s'est prononcé de la manière. Monsieur le Président, les six prévenus devant vous, le sieur Kisimba, Kiwel et Kisimba Victor, est poursuivi par le tribunal des séances pour s'être évadé
séance tenante de l'audience foraine du tribunal à Kiungu de Moba de ce samedi 7 août 2020 à 12h, juste pour se soustraire de ces faits d'homicide interestationnel qui lui est reproché. Fait prévu et puni par l'article 161 du CPE. Quel a été l'effet de la cause, nous avons dit, monsieur le président. Ce prévenu poursuivi pour avoir tué sa femme par des coups volontaires a été condamné par le tribunal de grande instance de Kalemi à 6 mois de servitude pénale pour cet acte de tentation à l'évasion. Dans ses prononcés de jugement, le juge président du tribunal a dit: tout dispositif, par ces motifs, vu la loi numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code pénal, vu le code de procédure pénale, vu l'ordonnance loi numéro 78/001 du 20 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes en ses articles 1, 5 et 9, le tribunal statuant publiquement en la procédure relative à l'égard du prévenu Kiwele Kisimba Victor, dit établi en fait comme en droit la prévention d'évasion des détenus mise à sa charge et en conséquence le condamne à 6 mois de servitude pénale principale, mais les frais de la présente instance à sa charge. À défaut de paiement des frais, des 10 frais dans le délai légal, le condamne à 15 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kalemi à son audience foraine de Moba de ce samedi 7 novembre 2020, à laquelle ont siégé la présente composition, la présente, avec le concours de Madame Ilunga Mireille, comme ministère public, et l'assistance de Camille Hubit, greffière du siège. La population habitante de Mobapor et de Kirungu a dit être intéressée de l'organisation de ces audiences foraines en public. Parmi les participants, ont donné ici leur point de vue. Nous écoutons en tout cas les dossiers qu'on auditionne ici. C'est bien pour donner le conseil aux garçons qu'ils évitent les problèmes de violence. C'est ce que nous voulons les conseiller. C'est-à-dire, si tu commets le viol, vraiment, sache que toi tu mourras à la prison centrale. C'est pourquoi nous donnons à tous nos enfants garçons le conseil qu'ils cessent les problèmes de viol. On a déjà auditionné les dossiers de violence sexuelle, les viols, et celui qui vendait la boisson dans sa maison, il y a eu la personne qui est morte dedans. Ce sont les dossiers que je viens de participer. Mais je vois comme nos chefs, les magistrats, ils vont poursuivre jusqu'à découvrir qu'ici, c'est du mensonge. Et là, c'est la vérité. Les autres seront libérés et les autres seront condamnés. Il y a d'autres problèmes, en tout cas, nous voyons que c'est le mensonge. Par exemple, la personne s'est déjà entendue avec la femme, cette fille de 18 ans. Elle va aller dire le mensonge à ce garçon qu'il m'a violé. Alors qu'elles se sont entendues. Ce sont les dossiers que le juge doit tirer l'attention. Trouver là, il y a la vérité. Et là, il n'y a pas la vérité. Moi, je vois que mon impression. Moi, je comprends que nous, les jeunes, nous devons nous protéger avec les problèmes de viol. Évitons de mauvaises choses. Évitons de se toucher avec les femmes. Laissez les femmes faire leurs choses.